Je me présente, Dominique Grondin, directeur administratif et financier de l'entreprise Pardon. L'entreprise Pardon a été créée par M. Mertens Peter en 1984. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a 30 ans. 30 années d'existence, parsemées parfois d'embûches, mais de beaucoup de créativité, ce qui a permis à la société aujourd'hui de compter 40 employés sur La Réunion et aux Antilles. Nous avons 8 boutiques sur l'île, 2 aux Antilles, 1 à Maurice, 1 à Mayotte. Mayotte, il s'agit d'un revendeur et nous sommes en train de développer la métropole au travers de corners et de reventes dans des commerces. Pardon recherche pour le secteur nord une vendeuse ou un vendeur. La ville d'affectation sera Sainte-Clotilde. Cette personne devrait être impliquée, souriante, savoir accueillir le client, savoir conseiller, maîtriser les encaissements. En plus de toutes ces qualités, le vendeur ou la vendeuse qui sera retenu devra respecter la charte Pardon, c'est-à-dire venir travailler dans la bonne humeur, s'habiller en Pardon, adopter une allure générale dynamique et décalée par rapport aux vendeurs des autres enseignes. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce profil, envoyez-nous votre candidature. Bonjour, je m'appelle Sadalo Justine. J'habite à Saint-André. En ce moment, je suis en train de passer mon permis. Je recherche un emploi dans la vente, peu importe, en pâtisserie ou en magasin. J'aimerais bien travailler dans la zone Est ou Nord. En 2012, j'ai obtenu mon CAP de commerce. Mon CAP m'a permis de mieux connaître le métier de la vente et ainsi avoir une bonne relation avec la clientèle. J'ai pu acquérir une expérience de la vente en boulangerie-pâtisserie, prêt-à-porter et même en grande surface. Si ma candidature vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler. Bonjour, je m'appelle Claire-Marie Séverine, j'ai 24 ans. Je demeure à Boisneuf-Saint-Paul et le métier que je recherche est hôtesse d'accueil télécopatrice dans la zone ouest. Je suis actuellement en train de passer mon permis. Au niveau de mes expériences, j'ai effectué une mission au Palais de la Source du Conseil Général de Saint-Denis. J'ai orienté le public, je l'ai renseigné, j'ai pris leur rendez-vous et je les fait l'accueil pour eux. Je suis dynamique, ponctuelle, souriante, n'hésitez pas à m'appeler. Bonjour, je m'appelle Frédéric Cataille, j'habite à Saint-Pierre, précisément à la Rabine des Cabris. Je cherche un métier de chauffeur-livreur sur toute l'île. J'ai le permis, 7 ans plus précisément, et j'ai un véhicule. J'ai travaillé dans 2 entreprises différentes, meublerie 600 au tampon et meuble confort. J'ai le niveau BEP vente. Le niveau BEP vente me donne beaucoup d'atouts, surtout avec la clientèle. J'ai déjà le premier approche. La timidité, maintenant, c'est fini. J'ai appris le montage, la réception des marchandises, la livraison. Je suis quelqu'un de sérieux, motivé, aime le travail en équipe et surtout conduire en toute sécurité. Voilà, je me suis présenté, je suis disponible, j'attends votre appel avec impatience. Contactez-nous sur notre page Facebook www.facebook.com/974tv ou par téléphone 0262 92 37 60. 974 CV, votre émission au service de l'emploi à La Réunion.